Oui, allô? Je suis au dépôt du bois et je pense avoir trouvé tout ce qu'il me faut. Cool. Je vais de toute façon effectuer l'achat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comme ça, vous cherchez du bois? Oui. Qui êtes-vous? Vous travaillez ici? Non. Comme vous aussi, j'aimerais acheter du bois. Mais je ne m'y connais pas assez. Vous semblez en savoir un peu plus que moi. Je suis ingénieur civil chargé du bâtiment. Comme vous pouvez le constater, j'utilise beaucoup le bois. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Mon problème ici n'est pas exactement le type de bois qu'il me faut. Mais je me questionne plutôt sur la légalité de ce bois. C'est différent. Le bois, c'est le bois. Achète seulement. Mais monsieur, ne savez-vous pas que l'achat du bois légal contribue au développement de l'économie camerounaise et nous aide à mieux gérer nos forêts pour le présent et le futur? Réellement? Bah oui. Et en plus, il contribue à la préservation de la biodiversité et aide à prévenir le réchauffement climatique. Vous avez raison. Bon, alors de ce pas, nous assurer la légalité de ce bois. Absolument, monsieur. Les produits ligneux d'origine légale représentent moins de 20% du volume vendu à Yaoundé et à Douala. Il est donc de notre devoir de nous assurer de la légalité du bois que nous achetons. N'oubliez pas, le bois légal, c'est génial.